Je vous reprends qu'aujourd'hui, il est dimanche. Hier, on n'est finalement pas allé avec Amy à l'atelier de Jess, Manu Makeup. Elle est tombée malade et je me voyais mal. Elle est toute seule comme ça. Donc aujourd'hui, c'est ma journée soin de tout. Et là, je vais faire mon gommage slash masque pour le corps, pour tout le corps. Pour mon visage, j'ai un gommage, mais j'ai déjà des vidéos où je vous parle de mes gommages visage. Mais là, ça va être que pour le corps. Et quand j'aurai fini mon gommage, ben, je vais juste utiliser ceci. J'adore ce savon quand je fais mon soin. Mais dans les jours de tous les jours, je m'en fous du savon que j'utilise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce que je mets dedans. Et yeah, let's go. J'utilise de l'aloe vera. On a la plante en fait dans le jardin, donc j'ai de l'aloe vera, du citron, ça c'est de l'argile verte. Je mets du bicarbonate pour l'effet gommant. Je mets de l'huile de coco et basta, c'est tout. J'applique d'abord, je laisse pénétrer dans ma peau et je gomme. Quand j'ai fini de gommer, je prends ma douche avec ceci. C'est tout. Bon, comme j'applique, je laisse maximum 5 minutes. Là, je me suis lavé les cheveux, donc je me suis lavé les cheveux. J'ai mis un masque, je vous montre. J'ai mis un masque, donc je vais laisser le masque poser pendant que je laisse sécher le masque sur mon corps. Et après, je vais tout gommer. Je mets le masque pour le corps et j'ai aussi un masque pour le visage que j'ai fait tout à l'heure. Il est là, c'est de l'aloe vera, de l'argile rouge, de l'argile blanche et de l'eau. Voilà. Maintenant, je vais passer à la préparation. I was in your mind, searching for the
So much.